Salut tout le monde, ici Canador et on se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo de Banished. Alors on s'était arrêté à... Ah oui c'est vrai, on construisait hop, cette petite zone résidentielle et que ça sera terminé. Donc ici ça commence à chercher un peu partout, c'est très bien. Ah oui, donc le marchand est arrivé, parfait. Qu'est-ce que tu nous proposes? Des poulets, oh, les poulets c'est bien ça les poulets. Ça, c'est très important, les poulets. Ça coûte pas très cher, en plus. C'est une bonne nouvelle. Voilà, trade. Donc là, on va avoir deux poulets. Donc les poulets, c'est bien, ça donne des œufs et de la viande. Donc c'est quelque chose qu'on privilégie tout de suite, les poulets. Donc ici, on va les faire là-bas, les poulets. Poulet, viens par ici. Piu, piu, piu. Voilà. Ah, on a quelques étudiants en plus, deviennent des workers, c'est une bonne nouvelle. Je crois que là-haut ça s'est terminé, parfait, donc on va commencer à construire ici une zone résidentielle aussi. Donc on va faire comme tout à l'heure, 3 et 3, 1, 3, en face, 3, 3 et 3. La mixité sociale, c'est beaucoup mieux que faire des ghettos de bois et de pierre. Hop, il faut les relier à la route, pour pas qu'ils aillent trop loin. Voilà, parfait. Ici, on va pouvoir faire un fisherman, d'ailleurs, ici. Ça, rapidement. D'ailleurs, hop. Eh oui, on est déjà trop nombreux dans cette cathédrale, on va en faire sans doute une par ici. Ou une par là. Ça coûte très cher, la cathédrale. Pas forcément le truc que je vais faire en premier, je vous l'avoue. Voilà. Ici, on a des beans. On a vraiment de quoi bien bouffer ici. C'est plutôt cool. Après, j'aurais bien voulu quand même qu'ils prennent autre chose que des beans. Mais bon, c'est laissé plus haut. Hein, donc, les marchés n'arrivent pas à atteindre à l'autre bout de la map, ce qui est plutôt plus ou moins logique. Donc, voilà. Donc là, ça va récupérer. Ici, ça envoie déjà de la nourriture, c'est très bien. Alors, l'iron, je pense qu'il faut qu'on mette un peu plus de gens à nos mines. On va en mettre un de plus. On a vraiment besoin d'iron, ça produit des outils, ça produit tout. Voilà, parfait. On peut voir que les gens traversent un peu du genre là, quoi. Pas forcément ce qu'on leur demande, mais bon. Voilà, donc là nos builders vont construire ça rapidement. Ça aussi là-bas, ils peuvent poser, c'est très bien. Voilà, ici on va mettre nos poulets. Ah, par contre on a besoin de le miner. Oh, oh ça c'est triste, les mineurs qui meurent comme ça c'est triste. On va mettre un gazeur en moins, un fisherman, et toi tu vas bosser là, et comme ça ça nous fait deux sécures. Voilà, donc là on a déjà trois maisons qui sont prêtes à être construites. C'est parfait. Et les poulets invincibles qui vont traverser la map. Les voilà. Ils sont très lents les poulets par contre, hein. Faut pas leur en vouloir, c'est beaucoup moins rapide qu'une vache. Regardez, ils sont invincibles. Et il nous suffit d'en avoir que deux. Ici par exemple, là, on va devoir attendre d'avoir 9 poulets pour récupérer leur viande. Ici, par exemple, je pense qu'on n'aurait pas trop tardé à récupérer de la viande de vache. Ça, c'est une bonne chose. La viande de mouton, c'est pareil, on va bientôt en récupérer. Donc, on va pouvoir faire un nouveau champ, bientôt, pour accueillir des nouvelles vaches. Ça, c'est une bonne chose. Là-bas, ça doit se construire, parfait. Je pense, oui, que le marché est un peu loin, mais bon... Cool. Récupère la peau de mouton. Là on le voit pas, mais à mon avis nos poulets sont en route. Les voilà. Nos poulets arrivent. Ils sont forts quand même. Je trouve, moi, en tout cas, ils sont assez forts. On a des outils. Donc la route n'est pas encore tracée. Je pense qu'elle devrait pas trop tarder d'ailleurs. Et puis
tout le monde qui meurt petit à petit, c'est triste ça. D'où le fait de faire des maisons pour avoir les enfants, etc., pour augmenter la population, etc. C'est pour ça que les nomades sont vraiment du sang frais. Alors, les graphes, par exemple. Au niveau des herbes, on en produit un peu. Au niveau de la bouffe, il y a des hauts, mais toujours très hauts, donc ça va. N'est jamais descendu en négatif. C'est-à-dire quand les gens meurent de faim. Quand même, là, on est en dessous de 10 000. Ça ne m'est pas arrivé depuis un certain temps. Mais ça, c'est à force de remplacer les gatherers, les mettre dans les marchés. Ça rapporte pas de la bouffe, hein. Pas grand-chose. Ici, on pourrait faire un marché, d'ailleurs, par ici. Histoire de relier ici. D'ailleurs, il serait bien qu'on relie. Est-ce qu'on peut le faire? Tiens, c'est une bonne question, ça. Oh oui, on peut le faire. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Parfait. Pouf. Et pouf. Donc ici, on a déjà des gens qui y habitent, c'est très bien. Ils ont de quoi se nourrir. Ici, la bouffe qui va arriver, qui va nous donner des œufs, c'est une très bonne chose. Là, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de bouffe, donc on va sans doute faire un gatherer ici aussi. Qu'avant. Hop, par ici d'ailleurs. Et on va faire un chasseur, hunter, hop. Voilà. Alors ici, on va remettre donc un gatherer. On va mettre deux gatherers pour l'instant. Si ça travaille toujours dur, oui, ça a l'air. On a des vaches. Dommage qu'ils ne produisent pas de lait quand même, les vaches. Mais bon, on peut pas tout leur demander, hein. Pas clairement tout leur demander. Ok. Oh, un mineur qui est mort de vieillesse. C'est une bonne chose. Moins triste, entre guillemets, que. Un mineur qui se tue au travail. Si on sait pas, ça se trouve, la mine l'a tué. De vieillesse beaucoup plus rapidement que prévu. Voilà, donc là, le pont, ça permettra de relier tout ça et c'est une très bonne chose. Parce qu'ici, ils ont plus de bouffe, par exemple, que de là. Hein, clairement. Pour l'instant, ils ont rien là-bas. Voilà. C'est pour en récupérer rapidement la bouffe. Faudrait que je fasse un herboriste, d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Ici, on va le faire. Notre fisherman ici aussi. D'ailleurs, on va le faire aussi, en prévision. Hey, coco. Alors. Ce serait bien de le mettre là-haut, voilà, comme ça j'aurais tous les. Tout. C'est plutôt pas mal. Voilà. Parfait. Ici, ça tape des outils, donc c'est bien. Toi, tu m'en mets plus, s'il te plaît, parce que c'est toujours entre guillemets nécessaire. Voilà. Toi, tu fais des tools, c'est une bonne chose. On va devoir bientôt faire des puits aussi, parce que sinon, ils vont cramer tout. Ah, ici, on a beaucoup de nourriture. Ah, c'est marrant, ils ont fait d'abord l'herboriste. Ah bah oui, parce que ça demande moins de pierres que des maisons. C'est un truc de dingue. Le stone cutter. Bon bah, le stone cutter, ça fait un stone cutter de moins. C'est triste, mais bon. Il faudrait bien que ça travaille plus, hein, les étudiants là. Il faudrait que ça sorte. Laboureur. Ah, on a, ça y est, nos premiers quarts de viande se font. Pas trop tôt.
Est-ce qu'on a... Oui, on a peut-être pas beaucoup de builders, donc on va en faire un troisième. Histoire que ça aille plus vite. Parce que ici, je pense que voilà, il n'y a plus de bouffe. Les gens vont marcher. Ce qui va plus mal, hein, mais... faut que ça produise de la bouffe. Pouf, vous voyez? Si ça prend, et ça revient. Ici d'ailleurs là au-dessus il va falloir aussi qu'on s'agrandisse. Oui. Qu'est-ce que tu ramènes de la bouffe? Ça m'intéresse pas de la bouffe. Combien j'ai de bouffe? Ah, bien. Alors, les gatherers, ouais, là ça va nous donner un peu de bouffe, c'est super bien. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de monde pour ajouter. Voilà, le chasseur aussi, une bonne chose. Ici, ce serait une bonne zone pour faire aussi des mines. Et j'en prenne. Alors, je crois que là, il y a... Voilà. Un peu con quand même. Hop. Voilà aussi. Hop. Ça attend que c'est pas fini là-bas. Ça ne servira à rien. Ah, parfait. Alors, le gatherer, est-ce que... Ouais, il nous en faut trois encore. Deux. On va en mettre deux, là. Histoire que, voilà, ça nous remplisse un peu l'estomac. Ici aussi, c'est très bien. Faut pas qu'il se superpose, hein, mais vous voyez, hop. Ça superpose un peu, mais ça va surtout prendre par là, donc c'est très bien. Enfin, c'est très bien, c'est bien. Pas exceptionnel non plus. Voilà, ici aussi. Tout cas, là, c'est bon. Au niveau de la production du bois, on est bon. Au niveau du firewood, on est bon aussi. Est-ce que ça donne des œufs? Ça donne des œufs. C'est quand même très pratique, les œufs. On peut faire beaucoup de choses avec des œufs. Faire une bonne omelette avec des œufs. Ici, par exemple, il n'y a plus beaucoup de bouffe, mais je pense que tout est pris par le marché. Ça va, c'est pas exceptionnel. Hop, on retourne. Hop. Du mouton. Eh, ça y est, on mange du mouton maintenant. On mange du bœuf. C'est très bien. Devoir bientôt faire une cathédrale, comme je disais tout à l'heure. Hop, ici, on va pouvoir mettre un chasseur. Ici, ça se nourrit de quoi? Beaucoup de baies, de poissons, de tout, c'est très bien. Voilà, un herboriste aussi, très bien. Pour que ça produise des herbes un peu quand même. Parfait, hop, un herboriste en plus. Oh! On a un hunter en moins. Pouf, ça on va mettre ça. Comme ça fait une sécurité. Beaucoup d'étudiants, mais ça serait bien maintenant qu'on ait autre chose que des étudiants, c'est des adultes! Il faut toujours avoir un bon stock d'enfants, en fait. Voilà, donc ça, hop, une maison en pierre en plus, tout de suite habité. Un jeune couple, dis donc. Voilà, ça c'est parfait. Si, les pêcheurs. Voilà, on a de quoi s'habiller aussi. Bien chaud. Ah, on n'a plus de place dans les écoles. Oh, non, on va en faire une. On va en faire une ici. D'abord les écoles et ensuite les églises. Hein. Les églises n'apportent rien, enfin, à part de la spiritualité. Donc, c'est pas que ça nous aide pas, hein, mais ça nous aide pas forcément. Complètement. Pouf. 6. Voilà. Forester, ça va. Si on veut un peu moins. Hunter, c'est de la bouffe, donc c'est important, mais ça va, on a pas mal. Gatherer, c'est bien. On va avoir besoin après bientôt d'un teacher, donc on va se garder quelques personnes en réserve.
Fisherman, combien on en a? 20 sur 24. Donc on va en mettre 21. Voilà, parfait. Voilà, ici on a du mouton. Ici on a du poulet. Voilà. Ici pour se chauffer, j'imagine qu'ils vont là. Le Stone Cutter, ok, il a été remplacé, très bien. Ah oui, il y a beaucoup de firewood, donc c'est très bien. Ils vont se réapprovisionner de là-bas en traversant le pont que j'ai fait. Ici, il faudrait faire un pont. Ici, il faudrait faire un pont. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas relier ces deux ponts-là? Je ne pense pas. Bien dommage. Voilà, ça commence à être bien équilibré, donc c'est cool. Ici, c'est quoi? C'est du firewood en grande quantité. Voilà, on inverse. Parce qu'ici, il y a un peu de peau, donc autant en profiter. Hop. Ouais. Ici, ça bouffe bien. Moi, ça a l'air, écoutez, hein. C'est le plus important. Ouais, on a trois laboureurs en plus d'un coup, c'est plutôt bien ça. 4? Non, 3. Hop, on va remettre des gatherers et des fishermen dans ce cas. Ouh, 6. Donc on va pouvoir, entre guillemets, faire descendre ça rapidement. Là, on va avoir un peu plus de poissons. Le poisson ici, par exemple, ça manque. C'est une denrée qui est pour moi assez évidente. Pourquoi je ferme ce putain d'écran? Voilà. Très bien. Hop. Est-ce que toi t'as quelque chose par exemple? Ouais, là maintenant t'as de quoi échanger, donc ça peut être pas mal. Donc ici on a toujours deux workers en plus, donc ça c'est bien. Les builders, mais ils attendent de construire ces deux trucs, hein. Le problème c'est que bah il n'y a plus de iron. Peut-être mettre des gens sur l'iron un peu plus. Voilà, très bien. Alors, le marchand, qu'est-ce que tu me proposes? Ok. Pecan et corn. Corn, c'est pas mal. Ça donne pas mal de choses. Et en plus, t'acceptes la bouffe. En plus, t'acceptes la bouffe, c'est parfait. Ça, c'est pas ce qui manque. Peut-être rien que avec ça, je vais pouvoir me prendre un truc. Ok. Voilà, donc on va peut-être se reprendre une deuxième graine dans ce cas. Alors, corn, c'est bien, je vais dire. Apple, est-ce que j'en ai des apples? J'ai un doute là. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, des apples, j'en ai, donc ça sert à rien. Pepper, j'en ai. Pepper, j'en ai pas, donc on va prendre Pepper. Pepper et. Corn. 40. Hop, des patates, des iron, du vernaison, plein de vernaison. Pouf. Hein? Ça aussi, c'est très bien. Très bien, pouf. 100,
oignon, 100, ça. Ben, je crois que je vais devoir tout donner en fait. 200, oula, oh, cool. Calmos. Calmos. Eddie Smith. Je vais pouvoir planter un peu d'autres choses. Alors, le glog, non. Et ça, non plus. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir le vendre. Ça, c'est une bonne chose. Alors, nous, d'ailleurs, par exemple, quand on regarde ici, le vernison, on commence à essayer d'économiser un peu quand même. On va passer. Par contre, le firewood, vu qu'on est à 3000, on va le charger un peu. On va en mettre 1000. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Pourra acheter de l'iron aussi bientôt. Oh, attendez, il y a plein de monde là, c'est bien. Pouf. Pouf. Eh, peut-être pas tout. On va avoir une sécurité. Ah, super. Là maintenant, on va bientôt pouvoir faire le petit chien en bus. Il y a quelqu'un qui sait pas faire de son boulot, c'est ça? Ah non, on n'a plus d'assez de tools. Ah oui, mais ça par contre, oui. Parce que je parie qu'on avait dit ici, récupère-moi de la tôle. Ah non, même plus. Ouh, là c'est plus problématique par contre. On n'a plus de trucs, donc on va devoir vite en refaire. Et le seul moyen, bah, c'est d'augmenter ça en fer. Et oui, parce que ça c'est... Bah oui, c'est pris à cause de ça. Mais normalement, ça devrait être un peu mieux. Je pense que ça va baisser, mais ça sous-entend qu'il faut que j'en fasse. Donc ici, on va se refaire une mine. Une mine! Parfait. Ça tient pile poil en plus. Voilà, ici par contre, ben, ça fait un peu bouffer partout. Trois laboureurs encore. Ça va être bien parce qu'on a besoin d'un teacher en plus. Voilà, ici on a de quoi des herbes, parfait. Pouf, voilà. Ici c'est bien, on va pouvoir refaire un nouveau petit quartier résidentiel juste au-dessus. Et on va pouvoir aussi planter. On va faire des plantations par ici. Hop, ou peut-être là-haut. Ouais, là-haut, tiens. Oh oui, là, il y a une belle plaine en plus. Ah, peut-être pas que c'est une plaine, peut-être une montagne. Ouais, c'est une montagne. Tant pis. Alors, on avait dit qu'on avait du corn. On va y aller avec du corn. Voilà, ici, ça va pouvoir faire un petit peu plus de travailleurs. Pareil pour faire des outils. Ça, c'est une bonne chose. Il nous en faut des outils, hein. C'est très important. Voilà. Si est-ce que par exemple il en a récupéré 1000, non. Les tools, j'ai dit que c'était 0, donc maintenant c'est full pour les gens qui peuvent bosser. C'est pas plus mal. La bouffe, on commence à en manquer, les outils aussi. J'espère que ça circule bien, les outils. Ouais, il va falloir vraiment vite qu'on puisse le faire. Et voilà, par exemple, cette personne-là, pas travailler sans outils, ça c'est un peu dommage. Ici, est-ce qu'on en a des outils? Bah non, on n'en a pas au marché. On doit en avoir ici, même pas. Tant que ça sorte, hein. Simplement. Ils vont aller en chercher là où ils peuvent, c'est-à-dire non, chez le forgeron. Ah voilà, on a déjà 14, donc là c'est vraiment un peu l'épidémie. Ça c'est chiant, donc on va devoir vite faire. Hop. Un blacksmith ici aussi. Enfin, dès qu'il y a un outil qui va être disponible, en fait, il va être tout de suite donné à quelqu'un. Ce qui est pas plus mal, hein, mais. Hop. Donc ici, on a les cours. Voilà, parfait. Ok, là, on commence à être bien niveau bouffe aussi. Le problème, c'est que s'ils n'ont pas d'outils pour bosser, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, on a vraiment besoin d'outils. Que ça déblaye vite. Hein. Ouh.
Ah, et c'est la stone qui nous manque. C'est de la stone qui nous manque, tu déconnes ou quoi? Ah, mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Voilà. Hop, ici. Pour l'instant, il n'y a pas d'étudiants, mais ça va venir d'ici, je pense. Et dès qu'on fait un bâtiment un peu compliqué, on a besoin d'iron. Et l'iron, le problème, c'est qu'il doit vraiment aller en priorité aux gens qui font les outils. Et par exemple, il faut de l'iron ici. Est-ce qu'on peut se faire une petite saisie, entre guillemets, d'iron? Oui, on peut en faire ici, il y en a pas mal, c'est pas plus mal. Voilà, je pense que ça va pas tarder à se terminer. Donc ça aussi, on va pouvoir récupérer rapidement. Pas rapidement, c'est relatif, hein, mais bon. Maintenant, au niveau de la bouffe, on est toujours stabilisé à 12 000, donc c'est très bien. Voilà, le blacksmith qui est mort, donc il faut vite que son remplaçant travaille, hein, parce que là on a besoin d'outils, hein. Parce qu'on veut dire que ça saute. Parfait. Ici, t'es 100% full, donc il faut un autre storage rapidement. Voilà, juste ici, côté de la mine. Voilà, donc ici ça diminue, mais lentement, hein, le besoin d'outils. J'entends vraiment qu'ils en ont besoin. Ça augmente, ça vacille, donc il faut qu'on récupère rapidement. D'ailleurs, une fois qu'on commence à la bouffe, ça va, on peut peut-être réduire un peu la bouffe. On va le mettre au charme. Voilà. Il y a toujours une sécurité de 1. Ouais, par exemple, dans une mine, si on n'a pas des bons outils, ça ne sert à rien. C'est bien clair, ça ne sert à rien. Voilà, donc là on a un peu d'iron qui doit arriver ici. Possible. Ah, une poste, t'aurais pas justement de l'iron, toi? En quantité? Non, tu n'as que des patates et des chestnuts. Les chestnuts, je n'ai pas. Peut-être t'en acheter ça. C'est vraiment important d'avoir beaucoup de graines, hein. Faut garder ça en tête. Alors, hop. Voilà, graines. Et des smiths. Pas la peine de racheter des graines que vous avez déjà, hein, surtout. Ce serait débile. Ouais. Qu'est-ce si t'avais des cônes? Mais ça a déjà été bouffé? Ou alors ça n'a pas été implanté? Encore. Alors. Par exemple, nous on a acheté énormément d'autres trucs. Voilà, on va faire un très grand champ. Ah, ce serait bien que ça se termine ça. Rapidement, mais à cause de l'iron, on n'en voit pas ici. Et voilà. Vous voyez, c'est que dès qu'on leur dit travaille sur un bâtiment qui a besoin d'iron, c'est chiant. Mais il faut vite qu'on récupère de l'iron là-haut. Ici, il y a de l'iron, il y a que dalle, il n'y a pas d'iron. Ici, un peu. Ici, pas mal. Ici, que dalle. Et vous devez aller à l'autre bout du monde pour récupérer ce foutu d'iron, vous y allez! Vous voyez, là on a 24 personnes sans outils, c'est très chiant. Alors, est-ce que ça sort toujours? Pouf, oui, pardon.
Sans outils, ils sont beaucoup, beaucoup moins productifs. Sachez-le. Ça marche, hein. Ça... Mais ils produisent genre 10 fois moins. C'est-à-dire que ça va plus à grand-chose, quoi. Pepper. Ouf. Eh ben, on va mettre un peu moins de fichiers en main. Voilà. Et ils vont travailler dans les terres. Tu es docteur et en plus sans outils. Allez, s'il vous plaît, grouillez-vous. Récupérez-moi cet iron et ramenez-le. Oui, la réserve d'iron est lourde, 100 decks. Un doute comme ça, Captain Obvious. Le est mort parce qu'elle donnait la naissance à un enfant. Eh, mais sans déconner, pas arrêter de mourir là. On va en mettre deux de sécure. Pas non plus d'outils quoi. Je sais que c'est lent, mais oh putain. Alors là, il faut construire, construire, construire. Il faut mettre vite pour construire ça, mais construire. Besoin d'outils. Alors toi, t'as intérêt à te mettre bosser. À une vitesse maintenant que t'as de l'iron. Sont tous en train de demander j'ai plus d'outils, ah voilà deux, ça intéresse à vite pousser, vous voyez, sans outils c'est lent, c'est très lent. On va accélérer un petit peu la cadence. En plus, j'ai pas fait beaucoup de maisons, donc là ça va pas renouveler beaucoup la population. Putain, toi aussi t'as intérêt à faire des outils, mais à une vitesse. Genre, outils, outils, outils tout le temps. Hein. Voilà, dès qu'il y a un outil tailleur, ça se voit. Hein. Il est pris direct. Hop, toi aussi. Qu'est-ce que c'est lent sans outils? Ouais, dès que là il y a un outil qui sort, c'est pas compliqué. Hop. Voilà. Ça, hop. Hop. Voilà. Donc là normalement ça devrait commencer à rapidement. Parce que là on a du bois. Là on va avoir de l'iron bientôt. Voilà, on va se garder 2000. Hein. Voilà. Nous il nous faut. Putain. Faut les outils. Pitié, plus vite. Mais là, l'iron va commencer à revenir, donc c'est pas plus mal. Ici, on a du paper, ici, on a tout. On va avoir de la pomme. On devrait bien se passer. Donc là, on peut dire que, entre guillemets, ça va être réglé. Ça va diminuer petit à petit. Hein. Voilà, 48, ça va diminuer un par un. Très lent d'ailleurs, mais bon, pas trop le choix. Et ils auront toujours des irons pour faire des outils, ça c'est le principal. Voilà, s'ils ont besoin aussi là-haut. Peut-être refaire encore un blacksmith quand même, parce que j'ai l'impression que ça va produire assez vite, donc on va en faire un bout là-haut. Ouais, bon, dans l'espace. Ou là, on s'en fait un autre là, juste à côté, pour que ça aille plus vite. On l'appellera la maison à outils ici. Problème, c'est que vous voyez, ça va bouffer mon iron. On va le mettre en pause pour l'instant. Non, ça n'arrive pas à baisser. Bon, voilà. Oh. Ce serait bien là qu'on ait un petit marchand qui vende de l'iron en grande quantité. Ici, on remet la bouffe au max. Sans outils, là aussi, c'est un peu chiant. Même si, bon, une canne à pêche, vous allez me dire, on n'a pas besoin de beaucoup, c'est vrai, mais bon. Là, on a encore des œufs. Dès qu'il y a 1 g d'iron, je peux vous dire qu'ils sont fournis soit en construction, soit
Ce serait bien, hop. Ici. Sont tous besoin d'outils. Toute ma carte a besoin d'outils. Toute ma carte a besoin d'outils, c'est un peu chiant, mais bon. Il faut essayer d'être patient, hein. Alors toi non. Non, non, tu te mets à bosser, tu te débrouilles. Oh, putain, dis-moi que t'as de l'air. Toul, mais ça coûte une blinde. On va peut-être en acheter quand même. Hein. Ouais, peut-être que j'aurai assez. Donc là, on va avoir pas mal de tools qui va inonder le marché, donc on peut se dire que la crise va passer. Et la vache, mon de Dieu! Normalement, ça va arriver petit à petit en stock. On va essayer de regarder, voilà, 9, ça va augmenter. Bon, normalement, la crise va passer et ça va revenir à la normale, on va pouvoir recommencer à se préoccuper. Voilà, ça va descendre. À nouveau se refocuser à faire ici par exemple à nouveau des petites maisons, peut-être pas en pierre hein, parce que ça nous bouffe s'il nous faut en pierre, parce que sinon ça va être chiant, ça va être des ghettos, hein. Ghetto minier, et je ne veux pas ça. Voilà. D'un coup, vous voyez, l'épidémie baisse à une vitesse. Oh, on a des outils. Oh, putain, on a des outils. Regardez, ils viennent tous chercher leurs outils, quoi. Oh, putain, les gars, quoi. J'ai appris qu'il y a des outils là-bas. Pouf. Alors, lui, je peux te dire que. Ils sont tous venus chercher de l'autre bout de la map. Mais alors, putain, c'est efficace, hein. Hein. Alors, on va faire aussi des arbres. Hop. 10-10, ça me semble bien. On va refaire un petit quartier résidentiel ici aussi. Alors, on va essayer de se faire un petit passage encore. Et on menait ici. Voilà, donc là maintenant ça va se stabiliser, donc on va remettre des gens à nouveau à l'aéron, parce qu'on a quand même besoin. Ici d'ailleurs, à la mine, on en est à 32%, donc très bien. Histoire que ça nous redonne un peu aussi, plus que des outils, un peu d'aéron. Voilà, ici il y a du boule. La réserve d'aéronello, on sait, on y travaille. Ouais. Ça sera tout d'ailleurs pour cet épisode, parce que là je m'aperçois qu'on est déjà à 38 minutes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À